Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 11 de Borderlands 2. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va plutôt nickel et donc, eh bien, on va faire la suite de notre aventure principale. Donc comme vous avez dû le remarquer, j'ai déjà de nouvelles armes, un peu plus de vie. Alors je vais vous montrer les armes, ne vous inquiétez pas. Un niveau un peu plus élevé hein, aussi. Puis voilà, j'ai fait quelques missions secondaires en attendant. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu en plus. Donc un petit pistolet sympa, j'ai changé mon sniper. Voilà, deux armes explosives. D'ailleurs là j'ai un truc de personnalisation, je sais même pas. J'ai un nouveau mode grenade qui attaque 1500 je crois. Attendez, je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est ça. C'est ça, 1500, un nouveau mode de classe, un nouveau, comment ça s'appelle, relique, c'est ça. Et puis voilà, enfin, trois petites conneries, d'ailleurs, c'est pas énorme. Et donc, alors, juste, je vais aller ici, voir un peu l'apparence, ce que ça donne. Salvador's match, ok, non, c'est pas ça. Sale caractère, ouais, mais non. Peinture. Oh, tiens, on va mettre ça. C'est sympa, ça change un peu. Ça fait vraiment bien. Moi, je trouve. Et donc, on est parti pour. Pour les Wildlife Exploitation Preserve. Donc j'y suis déjà allé faire une mission secondaire. J'espère qu'il n'y aura pas le bug que je pense. Parce que s'il y a le bug que je pense, je suis pas dans la merde. Enfin bon, on va voir de toute façon. Alors aujourd'hui on va pas se retrouver pour un épisode qui va durer 30 ans. Hein. Ne vous attendez pas à un épisode qui dure trop longtemps. Alors ça c'est un truc de bâtard ça. Voilà, ça va que, que j'ai un peu de balles et que mon sniper est assez bon. Parce que c'est vrai que sinon ce serait un petit peu compliqué. Ouais, ils se rendent enfin pseudo invisible hein. C'est pas vraiment de l'invisibilité, voilà, vous l'avez remarqué, mais bon c'est quand même pas terrible. Hop. J'ai utilisé un peu de d'iridium pour m'acheter un peu plus de capacité au niveau de mes balles, parce que c'est j'ai jamais assez de balles de toute façon dans ce jeu. Ok, donc ça c'est bueno. Il faut que j'aille donc infiltrer le stas de livraison. Et qu'ensuite je. Ah, il peut pas arrêter de parler lui. Mort de café, faut que je baisse le son, c'est parce que j'entends rien. Et ensuite que j'aille libérer Sanguine. Donc Sanguine c'est la pote à Mort de Kai. C'est le. Comment ça s'appelle? Ah merde, ça s'appelle comment ce truc? Je vais retrouver mes mots de toute façon. C'est son aigle, enfin c'est pas un aigle, si c'est un espèce d'aigle royal, enfin je sais pas comment on peut dire ça. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ah, j'ai changé un peu les armes, c'est des armes qui sont, bon, c'est pas des super armes encore, hein. C'est pas des armes niveau 50, hein, même si je sais pas en combien de temps en soi j'ai terminé le jeu, j'en suis à, bon, je dois être à bien 6 heures de film, hein, je pense. Je sais pas trop à vrai dire. Mais bon, de toute façon, je fais toujours ça avec plaisir. Là, je vous fais vraiment cette vidéo parce que pour demain, j'ai franchement rien de filmé à l'avance. Ça, c'est un petit peu gênant et même très embêtant, j'aimerais dire. Voilà, donc faut que je vous fasse quand même un petit peu de vidéo. Alors, accès non autorisé. Ah, je les aime pas eux. Ah non, si eux, ça va. Non, c'est les hot que j'aime pas trop, et puis les brutaux, oh, je m'en fous après. Non, ça va. Non, les porteurs, ils sont pas trop durs. Alors, porteur endommagé. Ok. Non plus, non. Ah, d'accord, j'ai compris. Il faut que... Mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris trop le rapport là. Un porteur endommagé, ok. Alors, un deuxième. Et j'aimerais dire, where is the troisième? Et merde. Faut que je le tue, j'ai pas le choix. Alors, ce qui est bien, c'est que cette arme est assez précise dans le sens que. Ouais, elle est précise dans le sens où quand on est à
de base, il n'y a pas besoin de... Voilà, regardez le viseur de base, c'est ça qui est vraiment cool sur cette arme. Alors, là... Voilà. Ils vont déployer un renfort, donc ils vont... Bon allez, c'est bon, maintenant je le démonte, hein, on peut attendre que 15 ans. Regardez cette grenade, alors regardez. En fait c'est une grenade qui explose et ça rapproche les ennemis, en fait. Et après ça les démonte, quoi. C'est ça que j'adore, franchement je les adore. Alors là, lui on va essayer de le tuer, hein. Je sais pas si... Ok, il s'est carrément téléporté. Voilà. Ça c'est bien. L'ingénieur de combat d'ici, on va le tuer. Et on va... avancer tranquillement. Alors là, ah non, je vais pas vous... j'ai un peu vu cette séquence. Mon frère a joué la dernière fois et je le regardais et j'ai vu un petit peu ce qui se passait rapidement, à peu près les ennemis qui allaient arriver. Donc je vais pas vous spoil, mais voilà, c'est ces nouveaux ennemis, les porteurs bulles. En fait, dès qu'on est près d'eux, voilà, ils se mettent en mode de bulldozer. C'est assez sympa. Non, alors pas eux, je les aime pas, eux, les explosions, c'est bon. Ok, on a vu, il y a des réparateurs pas très loin. Enfin, non, c'est pas un avis, mais il y a des réparateurs pas très loin. Il faut juste que... Merde, saloperie. Voilà. Hop. Oula, en fait, on a partout des réparateurs. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je déteste les réparateurs. Alors, franchement, c'est le truc de base. Oh putain. Oh putain. Saloperie. Ah ouais, c'est tant mieux. J'ai un peu l'impression que... Ils prennent pas leurs balles, c'est ouf. Aïe, ça fait vraiment très mal. C'est pas bon quand ça fait mal comme ça. Hop, un porteur, un truc en moins là. Alors je nique mes balles, certes, c'est vrai. Mais bon, si c'est pour la bonne cause, hein. Autant les niquer, hein. Voilà. Oh oui, c'était les radium. Aïe. Oh merde. Juste quand il fallait pas qu'il meure, lui. Yes, parfait. Ça c'est good. Alors on va aller récupérer de la vie. C'est quand même pas super fluide, hein. Je sais pas si... Ah mais je sais pourquoi c'est pas fluide comme ça. Je sais parce que comme je jouais tout seul depuis un certain moment, j'ai remis les graphismes à fond. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tout simplement. Alors j'ai réussi à acquérir la nouvelle version de Fraps et Fraps. D'après ce que j'ai entendu, j'ai pas eu encore le temps de tester. La nouvelle version de Fraps filme un fichier à la fois et non pas plus de fichiers de 4 Go. Enfin, c'est une option maintenant. Je crois qu'on peut obtenir maintenant plus qu'un seul fichier. Ce qui est vraiment assez intéressant, même si Fraps prend, à mon avis, autant de place. Hein, je veux pas dire que ça prendra moins de place, hein. Non, ça serait mentir, mais au moins. Voilà, que ça reste un fichier et pas 45, puisque c'est vrai que 40 000 fichiers, c'est un peu chiant. Allez, le porteur de la voix. Alors, cette arme, elle est bien sympa, mais elle bouge un peu trop, à mon goût. On va essayer de finir cette mission, et à la fin de cette mission, je pense qu'on s'arrêtera là. J'aimerais pas vous filmer une vidéo trop longue, parce qu'il est déjà 22h et quelques, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps à moi. Enfin, ça me prend du temps à moi, mais c'est assez différent. Allez, bon, je vous ai fait quelques petits réglages, hein. J'ai fait une petite pause. J'ai fait quelques petits réglages, mais je crois pas que ce soit assez, donc bon, on verra bien. Oula, je les aime pas ceux-là. Oula, je les aime pas. Alors eux, d'après ce que j'ai compris, ils renvoient les balles. Suivant comment on se place. Sauf que mes balles explosives, ça m'étonnerait qu'ils les renvoient. Voilà. Là, je vais crever. Enfin, j'ai quand même de la vie, mais je sens que je vais crever. Ah!
Je les déteste. Ouf. Ah ça fait pas du bien. Ça franchement à mon avis, c'est pas ce qui fait le plus de bien. Voilà, il est crevé, parfait. Et merde. Bordel. Juste. Putain, c'est vachement loin. Oh là là. Alors, sanguine, mise à jour de claptrap. Oh. Jack prétend avoir construit cet endroit pour développer la science et la découverte. D'accord. En fait, ils expérimentent le slag sur un maximum de créatures. Il faut que tu sortes sanguine de là. Ok, alors ce que j'ai, d'après ce que j'ai compris, j'ai 440 Skagoku, hein, voilà. Et c'est pas tous des gentils. C'est pas du tout des gentils. Non, franchement, là, c'est. Skag incendiaire brutal, ok. Vas-y, tue tes potes. Hein. Franchement, c'est pas moi qui vais te dire de pas les tuer. Hein. Ah, ouais, non, en fait, finalement, si, t'aurais pas dû faire ça. Franchement, j'ai. À vous, j'ai rien fait, donc. Va te faire foutre, hein. Voilà. Moi, je vais à la charge, mais. Rien à foutre. Alors lui se téléporte. Alors d'après ce qu'il vient de dire, il y aurait des tests sur les Skag qui se sont faits. Oh cool, niveau 20. Niveau 20, c'est un cap. Oh, ça a bugué. Alors attendez, hop, on va faire I. On va. Alors, j'ai gagné ça la dernière fois. Tac. Je sais pas trop ce que ça donne. Dégâts des armes précis. Ah, quand vous dévoyez, vous infligez des dégâts supplémentaires. Quand vous défouriez avec deux types d'armes, très précision est amélioré. Ah, mais c'est quand on défouraille, moi je m'en bats les couilles de ça. Force de la nature, santé maximale, plus 8%. Ouais, ça sera toujours pas plus mal. Voilà. Par contre, excusez-moi de vous demander ça, mais par où on part? Parce que bon, ils sont bien gentils, eux, aller à cracher des molards de partout. Mais c'est vraiment par là qu'on doit aller. Ok, alors il y a dans les bâtiments des Skags, c'est très logique, hein, parce que des chiens viennent dans les bâtiments, enfin, oui, des chiens domestiques, d'accord, mais des chiens comme ça, non, c'est pas censé, ils sont pas censés être là. Alors, note, ok. D'accord, Sammy. Et si on commençait l'expérience, non, en fait, ça c'est complètement un autre truc. C'est notre mission, faut que je les ai récupérés, mais. Alors, hop. Qui avait imaginé un chouette plan pour t'attirer jusqu'ici et te tuer, mais toi non, tu débarques tranquille. Ok, bon, vas-y, Bojack, ta gueule. Sans vouloir être méchant, il est un peu agaçant, je trouve. Enfin bon. Oh non, pas ça. C'est un petit point de vue perso, mais je le trouve vraiment très 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 agaçant. Alors, les rats qui vont pas commencer, je leur ai rien fait. Alors, s'il vous plaît, quoi. Je veux juste que j'arrive à tuer ces pélos. Voilà, merci le rack, hein, il va pas me saouler longtemps lui. Non, je déteste les racks aussi en même temps. Je crois que je les déteste tous, donc bon. La mutation liée au slag est brutale. Ok. Inutile de dire qu'elle me passionne. Rapportez-moi quelques échantillons. Oh putain, vas-y, c'est quoi ce bordel? Wow, franchement, là, ça devient un petit peu chaud. Alors, il y a Simon, il y a Pumba. Ok. Alors, faites pas les fous, hein. Voilà, moi je vous lance. Alors, Pumba, s'il te plaît, par de là, hein. J'ai rien demandé. Hein, je sais que t'es gros, que t'es moche, mais quand même, hein. Oula. Non, me lâche pas des balles explosibles, là. C'est vrai, là, il fait quoi, lui, Pumba, là. Enfin, Pumba, je sais pas comment il s'appelle, comment il peut regarder sûrement. Il a un peu le même nom pour moi. Avec un peu de chance. On va faire des choses chelous. Alors, franchement, je sais pas du tout ce qui se passe. J'arrive pas du tout à savoir exactement ce qui se passe. Je tire là où je vois des trucs qui bougent. Et voilà, il y a Simon. Alors, Simon, c'est mon frère, ma soeur. Je sais pas qui c'est. Enfin, je comprends rien, à vrai dire, exactement de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pas grave, je tire et puis on verra bien, quoi. Dès que je gagnerai des points d'XP, c'est que j'aurai tué des gens. Voilà, comme là maintenant, exactement. Parfait. Alors avant de me faire violer définitivement et que je meurs vraiment,
J'ai plus de balles, ok. Alors Pumba, s'il te plaît, casse-toi. Ah, ouvre la porte, plein de dehors. Hein. Ok, donc ça c'est Bruno. Rodeur sauteur. Ok. Je vais aller. Non, je vais pas aller récupérer les sous, vous savez quoi. Mito, Mito, tu m'as pas vu. Ok. On a eu chaud. On a eu chaud les amis, on a eu chaud là. Franchement, on a eu so chaud. Allez, Timon et Pumba, vous restez là-bas. Bon. Eh bien, nous sommes encore loin d'avoir terminé. Je sais pas si on terminera. On terminera peut-être pas dans cette vidéo, on terminera dans la prochaine, je pense. On verra, on va dire, on verra. Alors laissez-moi vérifier quelques trucs, quelques secondes en quelques secondes. Alors 4 secondes et demie. Voilà. Bon, allez, alors je regarde la carte. Oh mais je suis pas trop loin, ça va. Je vais devoir prendre le pont. Enfin, je suis pas trop loin. Alors, je suis pas trop loin, tout dépend, bien sûr. Échantillon de slag, ok. Échantillon de slag, ok. Ouvre-moi ça. Tac, tac. Y'a rien, mais alors rien d'intéressant. C'est un truc de taré. Bon, en même temps, j'ai que des armes rares, hein, c'est sûr. Mais bon, quand même, hein, il pourrait nous donner des armes un peu plus mieux. Enfin, bon. Voilà. Je vais pas me déblatérer sur ça. Donc, ça c'est good, ça c'est good. Ça c'est good, mais je vais essayer de courir le plus vite possible pour m'éviter de trop d'emmerde, hein, parce que j'ai pas envie de me rapporter tous les gars au cul, même si ça va pas être faisable, hein, je le sais très bien. Voilà, puis en même temps, un porteur, oui, c'est vrai que j'avais vraiment que ça à faire, hein, vraiment, vraiment que ça, mais alors vraiment que ça. Oulala, oulala. Ce gun, alors ce gun, il est juste magnifique. Quoi. Il marche juste le feu, un truc de taré. Non, franchement, c'est vrai qu'il marche super bien. Rien besoin de plus. Il faut leur tirer dans les jambes, putain de bordel. C'est dur là. Faut vite que je me barre là derrière. En plus, j'ai des rôdeurs qui me suivent. Mais alors, un truc de taré. Ce qui est bien, c'est voilà, ça leur fait une petite distraction pendant ce temps. Moi, je me barre et c'est le problème. Voilà. Non, moi, je me barre, c'est le principal. Je vais aller faire la mission. Je vais aller leur faire un bisou. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, en vous parlant de prochaines vidéos et de ce qui pourrait se passer dans quelques temps, là, nous allons rentrer dans les vacances. Dans les vacances de bientôt dans 2 semaines, hein, mais c'est bientôt quand même, on peut le dire. Dans les vacances de tout ça, je vais normalement partir quelques jours. Donc j'ai eu un tout nouveau téléphone. Je vais pas vous dire quoi parce que voilà, je peux faire de la pub pour n'importe quel téléphone qui filme des vidéos donc en HD et je pourrais normalement vous faire un petit récap si je filme en HD. Voilà, ça c'est je trouve sympa. Bon, peut-être que pour vous c'est vous en battez les couilles, hein, vous préférez les SP, ça c'est certain, je pense. Mais je vais essayer de vous faire un petit montage sympa si je pars. Voilà, si je pars pas, ben, vous aurez rien. Non, et c'est ce que je voulais aussi vous faire peut-être un jour. Je sais pas, des petites vidéos IRL le matin avant de partir de chez moi, ou une connerie dans le genre. J'y ai déjà pensé, je verrai. Oh là, enculé. L'enculé, 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 quoi. Hop là, perfect. Bon, alors, par contre, est-ce qu'il est possible de trouver les cellules? Oui, d'accord. Alors, c'est pas que je veux pas. Mais, si la porte... Ah, ben voilà. Oh putain, lui. Non, alors ça, j'aime pas.
Ok, donc là j'ai un bulle, un power. Alors le bulle c'est pas le plus simple, c'est pas le plus dur à tuer. Le plus chiant ça va être presque le power. Alors ce que j'ai fait, ce que j'ai qu'à faire, c'est ça. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà. Alors quand je dis casse-toi, c'est vraiment dans le sens cassé. Ok, donc ça c'est good. Et il reste plus que celui-là. Oh putain, lui est là avec ses trucs enflammés là. Allez, allez, remonte, remonte, remonte. Please, please. Allez, décède, décède, décède. Oh, yes, baby. Ouh, je suis chaud. J'ai franchement eu assez chaud. Alors, on peut voir ce qu'il nous a donné. Donc, 97$, un peu de l'arnaque, mais bon, tant pis. Je vais récupérer le pistolet à 213. C'est pas énorme, mais ce sera toujours ça de prix, hein. Hop, un peu voir ce qu'il nous a laissé en haut, s'il nous a laissé des choses, ou s'il a fait le raccro, c'est bien possible. J'ai un petit peu l'impression qu'on s'est fait niquer, bon bah voilà, tant pis. Alors ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va avancer, on va trouver des cellules, et on va bientôt peut-être pouvoir libérer Sanguine, je ne sais pas. On arrive dans Spécimen. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. T'inquiète pas pour les monstres à côté, ils sont enfermés. Concentre-toi sur Sanguine. Oula. Et tu auras ta mise à jour pour franchir ce mur de la mort. Oula oula. Bon, en fait, c'est lui qui a une mise à jour et nous, on doit trouver sa pote pour qu'il nous la donne. Ouais, c'est pas trop con comme idée. Pour lui, hein, c'est bénéfique pour lui quand même. Donc il a pas à aller se frotter contre tous ces porteurs machin. Et moi, j'ai absolument besoin de cette mise à jour pour je ne sais même pas faire quoi. Alors, j'aimerais vous dire, sûrement. Et attendez, c'était quoi ça? Mais par pitié, laissez-le. Qu'est-ce qui te retarde, Samy? Ne m'appelez plus. Waouh, c'est quoi ce truc? Impropre à l'expérimentation. Son mari a la grippe crânienne. Et c'était quoi ce machin là? Vous vous souvenez de votre femme? Et que vous vouliez la revoir un jour? Eh, c'est quoi ce bordel? Vous me direz là la prochaine fois j'y vais pas, c'est pas la peine hein. Si c'est pour me faire violer alors que je vous une caisse, non, ça va aller. Franchement, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Je vous une caisse, bum, t'as un mec qui me sort, j'ai rien demandé moi, j'ai juste voulu ouvrir la caisse pour récupérer l'émission, hein. T'as demandé de me battre avec Pierre, Paul ou Jacques, hein. Non, pas du tout. Alors là, qu'est-ce qu'il va me sortir? Rien. Mais pourquoi j'ai qu'à récupérer ça comme échantillon? Bon, certes, c'est un peu gros, mais... si je me mets assez sur le dos, ça sera... Bon, ça plus. C'est faisable. Je pense que c'est faisable. Alors, un lit d'armes. Alors, pourri. Mais c'est pas grave, je récupère quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est que... Y a pas un truc pour vendre, parce que je vais vendre, hein, ça sert à rien que je garde. Enfin, je pense. Ok, donc bon, on va avancer par là. C'est par là qu'il faut aller. Si on trouve un truc pour vendre, oh non, putain, je rentre encore dans une salle avec de la forêt. Tu l'as trouvé ? Elle n'a rien. Ah bah si c'est ça, elle est pas en bon état. Ah. J'ai dû l'emmener ailleurs, dans un endroit tellement plus intéressant. Ok. Merde. Jack joue avec nos nerfs. Attends une minute. On dirait que ça chahute dans l'aile d'observation. Ils l'ont peut-être bougé là-bas. Continue d'avancer dans la réserve, amigo. Allez, il faut que j'aille maintenant dans l'aile de réservation, là, je sais pas quoi, de préservation, là. Enfin, ce qu'il a dit, quoi. Donc il faut que je fasse tout le complexe hôtelier. Hey, hein. Mais où avais-je la tête? Un
Ah non, fais pas le bâtard. Oh non, il est sérieux. Viol. Viol, oh le bâtard. Oh salope. Oh là, alors franchement, excusez-moi de mes termes, mais là, ça devient vraiment très hoche. Il avait annoncé que c'était dur, mais je pensais pas que ça allait être autant. Alors lui, s'il pouvait éviter de me bégère dessus pendant 3 heures, hein, ça serait cool. Hein, voilà, rien demandé en soi, de base. Bon, j'ai des bonnes armes quand même, mais bon, quand même, hein. Faut pas abuser. Hein. Voilà, moi je suis pas là pour cracher sur les gens, de base. C'est pas mon kiff. Alors ça... Oh! Attendez. 178. Ah mais là j'ai des explosifs. Gardez. Est-ce que je garde ça ou je garde pas ça? Non, je vais garder ça. Peut-être par contre, je peux la mettre... Oh. Ah! Ça m'intéresse par contre. Alors non, ça je veux bien récupérer. Mais ça, je m'en bats avec, en fait. Non, c'est ça que je veux. Yes. Ok. Ok, ouais, non, d'accord. Donc, je vais récupérer that. Allez, s'il te plaît, merci, voilà. Plus les temporteurs, elles sont pourries. Donc, on continue dans cette direction. On va aller récupérer Sanguine, hein, si on la trouve. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. D'ici quel jour on est aujourd'hui? Nous sommes mardi dans la semaine. Si j'ai le temps, je vous tournerai une vidéo du mode KO de Call of Duty. Peut-être que je vous mettrai un petit live que j'ai pu faire avec Joker et un autre ami à nous. Je sais pas encore, je sais pas, faut que je regarde, que j'édite, voir si j'ai encore les fichiers voix et tout ça. Voilà, c'est un live, donc c'est vraiment un truc que j'ai pas préparé merde. Je vais arriver à parler. Non, à la base, c'est pas un truc que j'avais préparé. Mais bon, ça peut se faire, je sais pas. Bien sûr, la suite de Dishonored qui devrait arriver vendredi. Et bien sûr, dimanche, eh bien, on aura la suite de cet épisode. Voilà, donc je sais pas exactement quand ça se fera. Parce que j'ai fait là vraiment pas le temps trop de faire des vidéos. Alors la semaine prochaine ça va être encore pire, je sais même pas si je vais pouvoir tenir mes délais, donc je vais essayer, mais avec les cours c'est pas le plus simple. Faut que j'aille par où? Donc là je suis slagué, hein, d'après ce que j'ai compris. Si je pouvais éviter de me faire niquer comme une merde et pour rien en plus, ça serait cool. Un rôdeur cyclone, d'accord. Je sais pas du tout ce que c'est. L'autre il me balance ses os. Non, garde-les, ça te sera plus utile qu'à moi. Je fais construire cette réserve pour découvrir l'ensemble des propriétés. Ouais, non, c'est pas une super idée. Si tu sais t'en servir, le slag a des propriétés. Ok, donc il est bien gentil avec ses slags. Franchement, il commence un peu à me saouler. Mais bon. C'est du slag, alors on va garder son truc slagué. Faut que je rentre là, je pense. C'est la seule porte qu'il y a, donc à mon avis, c'est ça. Mais bien sûr, avant, parce que en toute logique, il va falloir que je tue tous ceux que j'ai pas tués juste avant. Donc ils vont sûrement repop, hein, puis bah apparaître des trucs chelous. Ouais, des machins, des rags, des trucs, des bidules, bon, voilà. J'ai l'habitude maintenant, voilà, j'ai compris que le script se déclenchera que quand j'aurai tué tout le monde. Wow, ah ouais, un rag brutal, c'est pas souvent, mais quand il y en a, c'est pas le mieux. Alors, le rack, il est désave. Oui, puis-je ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je pense pas être trop méchant en demandant d'ouvrir la porte, enfin... Je sais pas après, mais bon, je pense pas être trop méchant en voulant ouvrir la porte, enfin bon... Ça, c'est un point de vue personnel, hein, bien sûr. S'il pouvait éviter de vouloir me faire un gros bisou, bon, c'est pas que je l'aime pas, mais presque. Cette arme, elle est franchement pique.
Oui, je sais que j'étais en train de vous faire bouffer, ne me le dites pas, je le sais très bien. Non, je voulais d'abord tuer les racks. Pourquoi? Je sais pas. Ah ben voilà, il était temps. Il était temps qu'ils ouvrent, tiens. Par contre, les scripts n'étaient pas très 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 jolis, hein. Franchement, cette fois-ci, c'était vraiment très très moche. Mais bon. Ok, il a cramé l'autre. Parfait. Pas, hein, mais... Oulalalala, ça va pas le faire, hein. Ça va franchement pas le faire. Donc lui, il va peut-être me donner une arme, hein, s'il faut. Voilà, je pense que je vais me donner une arme. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je peux pas tourner de vidéo. Enfin, ça fait longtemps. Ouais. Non, mais attention, longtemps pour moi, c'est vrai que pour une personne qui tourne une vidéo tous les 3 mois, c'est sûr que ça fait pas longtemps. Pour moi, ça fait longtemps, ça fait 5 jours, 4-5 jours. J'avais des épisodes d'avance, alors ben, j'en ai tiré au profit. C'est peut-être pas la meilleure solution, surtout en période de crise en ce moment. Non, pas la période de crise quand... Haute de l'expérience. Ok, non. Alors... Quand je dis... Ah, il m'a coupé, il m'a fait perdre ma phrase, lui. Ok, ah, j'ai jamais vu tes roquettes. Ouais, c'est cool. Quand je dis moment de crise... c'est pas moment de crise, mais c'est presque ça. Non, c'est parce que surtout... Et merci. C'est surtout parce que voilà, contrôle, tout ça, hein, c'est ça quand on est en terminale, il faut que qu'on bosse, voilà, tout simplement. Porteur poids lourd, PL, hein, je pense que c'est ça, poids lourd. Et ingénieur, voilà. Et voilà, voilà. Alors lui, le gros, il va... me laisser tranquille. Ah, c'est l'iridium, c'est parfait. Ouais, il faut donc, pour compter les PWL, il faut bah, tout simplement, c'est tout simple, hein, mais il faut juste le savoir. Attendez, ah, ça doit être là-haut, ça doit être plus loin. Il faut des trucs explosifs, voilà, tout simplement. Bon, contre le boule, je sais pas trop, mais contre celui-là, c'est ça qu'il faut. Enfin, du moins, c'est ce que j'en ai compris. Et merde, putain. Tac tac, voilà. Bon, c'est vrai que les porteurs, c'est vraiment pas les ennemis les plus compliqués à tuer, c'est vrai, certes. Mais c'est peut-être, je dirais, les plus chiants. Ah, ok, eux ont une arme dans le cul. Enfin, dans le cul. Sur le dos. C'est pareil, hein. À quelques mètres près, c'est la même chose. Ah, ça marche quand même bien de loin, ce pompe. Alors, je lance ma dernière grenade, en espérant que ça touche quelqu'un. Voilà, alors là, regardez comment ça va exploser là-bas. Ouh, j'ai fait un petit carnage, I think. 20 000 points de dégâts électriques, ok. Ça, c'est good. Alors, les pouvoirs, des fois, ils peuvent se changer. J'ai pas bien compris là, ce qui s'est passé exactement. Le boule, ok. Le power, il va exploser. Ingénieur, merci, non, ça va aller. Voilà. Tac, tac, tac. Au niveau des nouvelles séries, je pense qu'en fait, nos let's play, et let's play en cours, ils devraient se terminer juste en même temps des nouveaux let's play qui pourraient arriver. Il y a la série des testons les armes sur Black Ops 2 qui devra arriver quand Black Ops 2 sortira. Je trouverai bien quelques vidéos à vous faire sur Medal of Honor Warfighter. Je vais essayer d'être dans les temps, de vous proposer ça rapidement tout en essayant de faire de bonnes parties pour que vous puissiez, pour ceux qui n'auraient pas la chance de l'avoir, bien en profiter. Hein. C'est vrai que moi, voilà, je sais que j'ai pu profiter de certains jeux grâce à des youtubeurs. Alors, ben, c'est ce que je veux faire moi aussi, vous faire profiter de... des jeux que j'aurai, même si c'est vrai que c'est pas les jeux les moins utiles, les moins achetés, hein, ça, c'est vrai, mais bon, quand même, je trouve que c'est important. Oula, alors là, j'ai pas vu, ça dépend l'ennemi. Alors, tiens, bouffez ça. Voilà, il n'arrive pas grand chose, donc, la vie, enfin, quand même, hein, mais. Ça fait beaucoup baisser, je pense, quand même. Je sais pas si. Oula, oula, boule. Hein, le boule peut lancer des. Des boules de... non, des boules de boules d'électrique. Mais c'est pas ça, ça bulle. Enfin, c'est boule. Hein. Moi, je dis boule, mais c'est bulldozer. Hein. Enfin, à mon avis, ça veut dire ça.
pense pas être plus con que les autres, donc je pense que ça veut vraiment dire ça. Aïe, ça fait mal. Non, 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 mais j'ai rien fait, hein, le truc explosif. Alors, s'il te plaît. Je ne suis pas un bandit, je suis un chasseur de l'arche. Merci, déjà, hein. C'est comme si je t'appelais Jean-Paul, alors tu t'appelles Jacques. Hein, voilà, c'est pareil. Oh putain, non, 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 pas d'explosif. Merci bien. Si tu veux exploser, t'es qu'à aller faire un câlin à tes amis. Wow, 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 wow. Enfin, franchement, des fois, ils abusent un peu. Franchement, je trouve que les ingénieurs, je les aime pas. Parce qu'ils te sautent dessus. On dirait qu'ils veulent te faire la mort. C'est un peu bizarre. C'est un peu... C'est pas très net hein, comme situation, je trouve. En récupérant un petit peu de balles, hein, en espérant qu'ils me sortent pas un abo, je sais pas quoi, et un truc chelou qui devait être un bug de script. Non, c'était pas, c'est pas vrai, mais je sais pas ce que c'était. Ok, j'ai plus beaucoup de balles, hein. Ça c'est un peu chiant. Alors, sniper, sniper, arme de jeu, je ne sais même pas quoi. Ok, non, ça je m'en fous. Ils ont dû lui coller la pire de leur ouais, ça c'est bueno. Ça devrait pas te poser de problème, mais. Alors, ça je récupère, parce que ça reste de l'argent et ça je peux en avoir à l'infini. Un point de sauvegarde automatique, ça c'est bueno. Encore ça, ça c'est bueno. Et on va monter, les amis. On va descendre, les amis. Voilà, c'est... Oh non. Alors là, franchement, vu comment est organisée la salle, je le sens pas du tout. Vous voulez récupérer Sanguine, hein? Dommage, j'ai pas mal expérimenté l'iridium sur elle, ça m'embête de la laisser partir, mais c'est pas grave. Oh putain, Sanguine. Donc, la guette de Bloodwing. Ok. Ouais, enfin, ils sont gentils, mais comment je la quelle là cette connerie, putain, c'est pas possible ça. Regardez, je peux même pas la tuer quoi. Oh ouais, bon, ça va, c'est ça. Ça va être trop dur. Wow, wow, c'est Sanguine en mode... en mode hat avec son feu là. Bon, ça, c'est quand même pas des armes pourries. Il manquera juste peut-être les balles à un moment. C'est vrai ça, c'est vrai ça. Je suis censé être son pote. Enfin, je croyais. Je croyais, wow. Finalement, elle est pas si forte que ça, hein, quoi, pas non plus. Enfin, je trouve, après. Ah, si. Ah ouais, putain, j'y crois pas. Ça, c'était obligé. Alors là, là, ça sert strictement à rien, ce que je fais. Ok. Donc ça c'est good, par contre si lui pouvait me laisser en paix, ça serait quand même bien sympathique de sa part. Ok. Putain. Elle va reprendre de la vie cette saloperie en plus, putain c'est pas possible. Oh là 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 là. Faut que j'arrive à la niquer avant. Ce qui me semble un petit peu compliqué à vrai dire. Wouhouhou.
Oh, nickel. Tranquillisé. Wow, 10 000 d'expérience, ouf. Oh putain, le salaud. Bon bah voilà, hein. Il reste la bouillie de sanguine quoi. Ouais, ouais, bah mise à jour de clap. Ah, que la mise à jour de claptrap était sur sanguine, d'accord. Bon bah merci, merci de cette compréhension. On se retrouve très bientôt, hein, sanguine. Enfin, peut-être dans un autre monde, hein, parce que là, vu dans le tac, t'es pas dans le. Waouh, 380. Franchement, je t'aurais dit oui, mais je vais te dire oui quand même, parce que. Sinon c'est pas rigolo. Tuc, wow, 193 c'est pas trop mal. 213, ce rond c'est de la merde. Alors ça on va l'abandonner. On va récupérer ça. Bon c'est pas terrible terrible mais bon. Ce sera toujours ça en plus à vendre. On va récupérer ça et récupérer ça. Il y a encore un truc d'arme là-bas. Là. C'est un cercueil d'armes en fait. Je sais pas pourquoi c'est sous forme de cercueil comme ça mais... Bon voilà, c'est gentil, au moins pour une fois il me donne des armes qui sont à peu près potables. Bon, sniper, j'en ai pas besoin. Ça, c'est quoi? Bon, j'en ai pas besoin non plus, hein, on peut le dire. J'ai assez d'armes comme ça. Et on va... Eh bien... Eh bien, on va rentrer à Sanctuary. Et puis on va voir... qui se passe un petit peu sans que tu arrives à porter. On va voir ce claptrap, on va lui donner cette foutue mise à jour et on va s'arrêter les amis. Franchement je pensais faire une demi-heure de vidéo, je sais pas, on doit être à une heure ouais quasiment. Ah ouais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont encore manigancé? Franchement j'ai encore rien fait hein, bien sûr. Voilà, mais bon, c'est pas grave, de toute façon je vais y arriver, parce qu'à la base c'est pas le plus compliqué. Si ils me veulent des soucis, voilà. Hein, petit coup. Oh, mais je peux me barrer de toute façon. Je m'en fous après, non? Enfin, je sais pas, mais... Si je prends le truc, j'ai pas besoin d'attendre. Bon, bah voilà, c'est parfait. Allez, on retourne à Sanctuary tranquillement, les amis. On va donner cette mise à jour, foutue mise à jour à notre ami Claptrap qu'on aime plus que tout, hein, bien sûr. Chic, 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 le voilà. Ah, une chanson pour l'oiseau. Franchement, ouais, perso, c'est un salaud. Ah ouais, sympa. Ok, en plus c'est bien parce qu'il s'excite tout seul, c'est stylé. Allez, tiens, vas-y, prends ta mise à jour. Ok, ça c'est good les amis. Bon, on va récupérer notre petit butin, on va passer level 21. Non, je sais pas si on va passer level 21, mais j'espère. Il faut que j'aille là, voir Roland qui est en haut. Ok. Bon allez, vas-y ta gueule, crap, crap. Franchement, là, j'ai fini. Alors, voilà, je t'ai donné ta mise à jour. Tout ça pour qu'il soit invisible, hein, bien sûr. C'est un peu fou. 7000 d'XP par... Merci, un bisou. J'aimerais dire, je ramasse ton message, mais pour le moment c'est bon. Je fais I, je vais monter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir monter? Les dernières missions de votre chargeur ont fait jusqu'à 90%. Taille minimale du chargeur pour bonus complet 10. Ok. Munitions de votre le plus l'arme de charge est petite mais le bonus n'importe. Oh ben on va prendre ça, vous savez quoi, c'est sympa. Je sais pas si ça marche vraiment, enfin on verra. Alors on va l'écouter. Le roi des masters, c'est un membre des pirates.
méthodes sont devenues trop brutales. Franchement, démembrer des responsables d'Hyperion devant leur famille, il y a plus subtil pour les faire parler. On n'est pas d'accord là-dessus. Bref, il me doit un service. Et il peut te faire passer le bunker devant le noyau central. Ok, bon. On va s'arrêter là, les amis. On va pas continuer. C'est vrai que j'aimerais bien, mais on va pas continuer pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire tout ce que vous devez faire d'habitude si vous en avez envie. Donc, un petit j'aime, un petit s'abonner, voilà, enfin tout simplement, voilà, pour me récompenser de mon travail que j'estime assez bon. Là, je sais pas ce que je fais, assez bon. Non, j'estime pas ça assez bon. J'espère que c'est assez bon, du moins. Voilà. Oh cool. Je sais pas qu'on pouvait monter là-haut. Voilà. Donc on se quitte sur cette jolie vue de sanctuaire. Donc les amis, portez-vous bien, faites pas de bêtises, c'est le principal. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour notre épisode numéro 12. Ciao, ciao tout le monde.